Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire la pâte avec pesto. Je vais vous montrer, ça c'est du pesto vert. Donc aujourd'hui, on va faire la pâte avec ça. Il y a du crevette. Ça, c'est le poisson loup de mer qu'on appelle si basse filet que j'ai découpé comme ça. Donc, ça, c'est 2 slices de ça. Un oignon. Les demi-poivrons jaunes et verts. J'ai pas besoin de rouge. Du poivre. Du poivre blanc. On a besoin du persil. De l'ail en poudre, mais vous pouvez utiliser l'ail frais si vous voulez. J'ai pas ça. Ça, c'est le cube manger en légumes. C'est très bon. Vous voyez, tu peux utiliser avec tout ça. Ils ont donné les idées, les ingrédients que tu peux mettre. Mais c'est très bon. C'est très bon. On va utiliser ça. Du sel. Comme je dis, j'utilise souvent 6 sortes. Et du. Donc, on va passer à la cuisine. Vous allez voir comment je fais. J'ai mis les marmites. Ça, c'est pour le passage. Je vais bouillir la pâte ici. Donc, je vais mettre de l'eau chaude pour la pâte. Donc, je laisse que ça bouille très bien. Après, l'huile aussi, ça va bien chauffer. Donc, je vais mettre ma pâte ici dans l'eau. Je mets un peu de sel, pas trop. Je remets, donc je laisse cuire ça. On va aller de l'autre côté. Je vais faire l'autre là aussi. Donc on va commencer avec les crevettes. Les crevettes d'abord, on va griller un peu. Avec les poissons là, un petit peu, pas trop. J'ai mis l'huile, vous voyez pas trop aussi. J'ai pas tellement mis l'huile. C'est l'huile d'olive, donc ça n'a pas besoin de chauffer beaucoup. Le sel, le sel. Un petit peu de sel. Un peu de l'ail. Juste là, il y a une serre de bonus. Donc, je vais le mettre. Comme je dis, ça ne va pas tellement cuire. Donc, c'est juste un tout peu seulement. Ça sent bon ici, là. Donc, je peux retirer les crevettes, je laisse un peu de poisson. Si tu n'aimes pas les crevettes, tu es allergique, tu peux le faire juste avec les poissons et avec les légumes. Bon ici là. Regarde, c'est trop bon avec de la. Attention, le couvert, c'est très 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 bon. Très bon. Voilà, ça c'est fini comme ça. Donc on va mettre les oignons.
Ça, c'est un seul oignon. Je mets les poivrons jaunes et verts. Hein? Je mets du poivre blanc, de l'ail, du persil sec, je mets du poivre noir aussi. Mon cuivre là, le cuivre que j'avais dit là, c'est pas bon. Oui, demi, c'est bon. On a du sel. On va revenir très bien. Voilà, trop même. Donc je vais mettre le cuir pest. C'est très bon ça. Je mets un peu de. Je laisse cuire comme ça un peu. On va mettre la pâte. Ça sent bon là. Donc, laisse cuire comme ça au moins 20 minutes. Ça serait prêt. Maintenant, c'est prêt. Ma corne est aussi, la pâte est prête, donc je peux retirer ici, je mets. Je vais jeter de l'eau là. Je mets les crevettes. Je me sens maintenant, bientôt, ouais. C'est bon ça, non? Bien faire, rapide. On ne prend pas beaucoup de temps, ni rien. Une pesto, c'est très bon. Donc, j'ai cuit au moins plus que 5 minutes et ça serait prêt.
Et voilà, mon riz pesto, parce que c'est prêt maintenant, c'est un petit serveur. Ça, c'est le clin ici, c'est bien fait. Regarde ça, très bien fait. C'est un petit serveur. Et voilà, mon pesto vert, pâte. Très bon avec du poisson loupe de mer et les crevettes avec les poivrons verts et jaunes là. C'est très bien fait. C'est la première fois de venir sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner. C'est très bon ça là. Waouh, ça c'est bien fait là. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Tu as aimé ma cuisine? Abonne-toi. Aime, faut like, commenter. Ok, bisous, bisous. À bientôt.